entretien aujourd'hui avec Stéphane Dalma. Donc Stéphane, déjà, c'est très très gentil de ta part de nous recevoir chez toi. Avec plaisir, bonjour. Et si tu le veux bien, on va retracer ta longue et riche carrière. Donc tu es né à Tours, me semble-t-il. À Tours, ouais. Voilà, et tu rejoins ensuite Châteauroux. Châteauroux. Et avant de commencer, j'aimerais savoir si la légende est vraie, que toi-même, tu as écrit plusieurs CV à différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, D1 et D2, comme on disait à l'époque. Hein. Et donc, de fil en aiguille, tu as rejoint Châteauroux. À tous les clubs. Tous les clubs de première division, deuxième division. Et donc, voilà, j'envoie un CV de tout ce que j'ai fait avec mon club de Joletto. Et puis, je reçois quatre réponses. Angers, Laval, Guignon et Châteauroux. Pourquoi avoir choisi Châteauroux? C'était plus près de chez moi et puis c'était le seul club qui me voulait. C'est le seul club vraiment qui est d'accord. C'est Guignon me voulait mais sans contrat. Angers, non, trop petit. Et Laval, pareil, trop petit. Alors, tu n'es pas à citer un exemple sur un fait, c'est que dès le plus jeune âge, tu as mis les études de côté. Ouais. Parce que de l'autre côté, tu étais sûr de ton talent. Ah, j'étais sûr. Mais avec le recul, peut-être, c'est quand... bon, ça t'a donné raison. Un risque. Mais c'est quand même dangereux. Ouais. C'est un risque. C'est une chose que je ne conseillerais pas aux jeunes. Forcément. Mais moi, voilà, moi, les études, moi, c'était. J'y vais, je vais voir mes potes, et puis voilà. Mais je savais que si on me donnait l'opportunité d'aller faire un essai dans un centre de formation, j'allais y arriver. Alors, c'est ce qui s'est passé à Châteauroux où Roger Fleury, qui était le responsable du centre, est tombé amoureux de moi. Et puis une matinée, c'était bon, c'était arrivé. Alors tu arrives à Châteauroux dans la meilleure période du club, si je puis dire, puisque le club accède à la division 1. Ouais. Quel souvenir tu gardes déjà de tes premiers pas en pro et de ton premier match en division 1? Alors le premier pas en pro, j'étais appelé donc la semaine d'avant parce qu'il y avait pas mal de blessés et de suspendus, donc à faire deux entraînements avec les pros. C'était Victor Zvenka. Victor Zvenka, ouais. Donc au début, voilà, ça allait à 100 à l'heure. Hein. J'étais là, qu'est-ce que je fous là, ça va trop vite. Et puis j'apprends que donc je suis pris pour le match contre Cannes à domicile. Et puis je rentre 10 minutes. Dans le stade, et puis il devait y avoir peut-être 15 000 personnes à peu près à Châteauroux. Et puis je rentre 10 minutes, je touche deux ballons. Mais bon, pour moi, c'était voilà, j'étais heureux de jouer en première division, tout ça. Et puis voilà. Et puis ensuite, après, j'ai enchaîné, j'ai pris de la confiance. Et puis j'avais fait une très belle saison. Alors, très belle saison sur un plan de vue personnel, ouais. Relégation. Du bon, club, point, malheureusement. Ouais. Voilà, un club qui avait peu de moyens, mais c'était déjà beau d'évoluer en D1. Donc, ma question est la suivante. Si tu n'avais pas eu de contact, est-ce que tu te serais résigné ou est-ce que justement ça aurait été une épreuve de rester, de retourner en D2 avec Châteauroux? Ou toi, tu voulais à tout prix, malgré quand même tu étais jeune, tu avais 18 ans, 18 ans, de rester en D1? Ah, mon but, c'était de rester en D1. Après, si j'y avais pas eu de proposition. Ouais, t'étais encore jeune de toute façon. Bien évidemment, j'avais encore plein de choses à apprendre et puis ça ne sera pas dérangé de jouer en deuxième division. Mais bon, après, c'est avéré que j'avais tous les clubs de France et puis quelques clubs étrangers qui me voulaient. Donc voilà, j'avais l'embarras du choix. Maintenant, le problème, c'est qu'il fallait trouver l'accord entre les deux clubs au niveau du transfert. Et puis voilà. Mais après, bon. J'avais le choix de choisir si je voulais aller à tel club, comme j'ai choisi Lens. J'ai dit je vais aller à Lens, et puis mes agents ont tout fait pour que le transfert se fasse. Alors, est-ce que Lens, où tu es resté également une saison, a été, avec beaucoup de recul maintenant, l'apogée de ta carrière? Je rappelle, Lens était champion de France en titre, ouais. Donc tu disputes la Ligue des Champions avec Lensois, ouais. Tu gagnes la Coupe de la Ligue. Ouais. Face au FC Metz, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il me semble que c'est le seul titre de ta carrière. Ouais. Est-ce que donc, comme je t'ai dit, Lens, ça a été l'apogée de ta carrière? On va dire que c'était le... Pas l'apogée, parce que l'apogée, je pense que c'était quand j'étais à l'Inter.
ça a été le, on va dire le club qui m'a révélé réellement à travers l'Europe. Et puis ce que j'ai connu en tant que professionnel, dans le, vraiment le monde professionnel, parce que c'était vraiment le haut niveau. Châteauroux, c'était bien. C'est le petit club familial. Mais Lens, c'était le gros club. Alors, en plus, on avait la Ligue des Champions. Il y avait un public extraordinaire. J'ai joué des matchs devant 80 000 personnes. À Wembley, notamment. Là, j'étais blessé ce jour-là. D'accord. Mais bon, j'avais été au Panathinaikos. À l'époque, il y avait 80 000 personnes. Dynamo de Kiev. Dynamo de Kiev. Shevchenko. Voilà, c'était énorme. Donc, puis les matchs à Bollard, tout ça, c'était... voilà, c'était une ambiance de folie, c'était... Donc c'est là où vraiment j'ai connu ce qu'était vraiment le très haut niveau. Alors deux questions, la première, est-ce que tu t'es senti au niveau quand tu as débuté en Ligue des Champions? Et ensuite un mot sur Daniel Leclerc. Alors déjà, bon, le décès de Daniel Leclerc m'a beaucoup affecté, m'a beaucoup touché, parce que c'est quelqu'un qui... avec Victor Zvinka, m'a lancé vraiment dans le grand bain. C'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était très très dur avec moi. Parce que voilà, parce que j'avais un talent, il était exigeant avec moi. Et puis même quand je faisais des bons matchs, non, c'était pas assez, il fallait faire plus. Et puis après, bon, on s'est revu plusieurs fois quand il était directeur sportif de Lens, tout ça. Donc, et puis quand j'ai appris son décès, grosse déception. Et puis un grand monsieur du Racing et puis du football français qu'on a perdu. Et tes débuts en Ligue des Champions alors? C'était beau, j'ai contre Arsenal à domicile. Donc le stade, en plus la grosse équipe d'Arsenal avec les petits, Vieira, Anelka, tout ça. Donc voilà, magnifique, on fait un match. Enfin, un très bon match. On égalise à la 90e minute, je crois, par Tony Vérel. Mm-hmm. Et puis, voilà, c'est là où ça a commencé le bon parcours. On a fait un bon parcours. On s'est éliminé, malheureusement, lors du dernier match contre le Dynamo de Kiev de Tchevchenko. Ouais. Mais sinon, on peut être fier quand même du parcours de ce qu'on a fait cette année-là en Ligue des Champions. Oh, ma question, elle est simple. Pourquoi tu es parti si vite? Parce que à la fin de saison, il y a l'Olympique de Marseille qui... Ton club de cœur, l'OM? C'est le club de tous les jeunes de mon époque. Quand nous, c'était l'époque voilà, de Jean-Pierre Papin, et tout ça, de... Wajal, voilà, Bolli, Pelé, Mozart. Quand j'ai gagné les champions 93, tout ça, c'était... tous les... Nous, dans mon quartier, tout ça, c'était l'OM. Et puis ça se refusait pas, donc il mettait le prix. Non, c'était pas spécialement vendeur, mais bon, refuser à l'époque 70 millions de francs, c'était. Après Gervais m'a dit moi je veux que tu restes, je suis même prêt à augmenter ton salaire, tout ça, mais sinon, moi je vais aller à l'OM. Donc tu. Saison difficile en championnat? Ouais. Difficile aussi en Ligue des Champions, mais avec de belles performances. Ouais, bon match, ouais. Manchester, ouais. Les tenants du titre, que vous battez 1-0 ouais. Avec un point de semble-t-il, de William Gallas. Gallas, ouais. Et ensuite, vous battez aussi Chelsea, me semble, sur un des deux matchs. Chelsea, ouais. Un but de Pires, ouais. 1-0 gagné. Une grosse équipe, tout ça, et vous faites de bonnes figures face à ces équipes, quand même. Mais en championnat, ça colle pas. Il y a le fameux 5-1 à Saint-Etienne, c'était cette époque aussi? Ouais, avec le guet-apens à la commanderie. J'allais en venir. Le lendemain. Mais il y a eu une cassure le jour où Roland Courbis a été viré. Et que Bernard Cazoni a pris sa place. Voilà. C'était pas la bonne personne qu'il fallait pour redresser le club, parce qu'on avait une équipe avec des joueurs. Une équipe. C'était impressionnant. Et Dugarry, il y avait de la Peña qui était là aussi, mais qui n'a pas spécialement. Ouais, Ravanelli, Pires, Patrick Blondeau. Blondeau, Gallas, Luxin, Stéphane Porato. Ouais, donc. Et du matos quand même. Hein. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as appréhendé ces relations avec les supporters, surtout durant cette période-là qui a été énormément délicate? Est-ce que ça t'est arrivé? Je vais te poser la question, Franco, d'avoir eu peur de venir t'entraîner à la commanderie. Ouais, après le.
problème, quitte à prendre à la commanderie le lendemain de la défaite à Saint-Étienne, où je suis venu avec je venais avec des mecs de Marseille, je vais pas appeler ça des gardes du corps, mais des mecs qui connaissaient des figures, on va dire. Voilà, et je savais que si j'étais avec eux, et j'allais pas avoir de problème avec les supporters, et puis voilà. Donc ouais, j'ai eu un porte ça dure quoi, 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines, puis ensuite après, bon. J'ai dit maintenant, ça y est, je vais aller tout seul, et puis voilà quoi. Et ensuite le PSG. Ouais, PSG, ouais. PSG, on va dire plus... moi j'avais envie de rester à Marseille. J'avais signé 8 ans, je crois, à l'époque. Et Luxin, 11 ans, je crois. 12 ans, 12 ans. 12 ans, c'est 12 ans, ouais. Et j'ai eu 8 ans, et puis voilà, et puis j'avais déjà changé quand même de deux fois de club, entre Châteauroux et Lens, tout ça. Et puis après, on me fait comprendre qu'il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'argent à Marseille, qu'il faut vendre tous les joueurs qui ont une valeur marchande. Donc il y avait moi, Pierres et Luxin. Et moi, c'était hors de question de partir à l'étranger. Et puis, le seul club qui pouvait, qui voulait me prendre, c'était le PSG. Donc tu as signé avec quand même plaisir d'abord. Oui, plaisir, parce qu'en plus c'était Jean-Luc Lamarche, mon ancien directeur sportif à Lens, qui était au PSG. Donc, l'arrivée de Nicolas Anelka. Voilà, et puis bon, Luxin aussi qui venait. Puis il y avait quand même une grosse équipe là-bas. Encore la perspective de jouer la Ligue des Champions. Donc qui fait que bah, y avait tout été réuni pour me dire bon bah, c'est pas Marseille. C'est Paris. Après, moi, la rivalité Marseille-Paris, ouais, tout ça, honnêtement, je m'en tape complètement. Mais voilà, je me dis, bon, allez, c'est parti, on va au PSG et puis bah, on démarre une aventure. Alors même si cette période parisienne n'a pas été rose, tu as quand même participé à une soirée de gala avec ce 7-2 ouais. Contre Rosenborg. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette soirée-là? Oh, c'était un match où tout nous réussissait. Après ce jour-là, j'avais fait, je crois, 2-3 roulettes dans le match. Mais tout ce qu'on faisait, on le réussissait. Ouais. Ça partait dans tous les sens, tout ça. Le parc était en fusion. C'était franchement, voilà, nous, en plus, on était premiers en championnat. Mais ce match-là, ça a cassé quelque chose. Ça a été, je pense qu'on s'est senti peut-être un petit peu trop beau ce jour-là. Parce qu'après, le week-end d'après, on en prend deux à domicile contre Bordeaux. Et après c'est parti un petit peu en vrille, et puis il y a eu le départ de Bergerot. C'était à partir de la défaite de Sedan, voilà, c'est ça. Alors, 5-1. Est-ce que, comme ça a été rapporté dans la presse à l'époque, vous les joueurs, vous avez volontairement laissé filer non, ce match? Non, ça c'est des conneries. Tu le garantis avec certitude? Ah bon, c'est des conneries ça. On n'a jamais voulu le départ de Bergerot. Il y avait certains joueurs qui étaient plus trop en accord, surtout les anciens, qui étaient plus trop en accord avec Bergerot, mais la majorité des joueurs étaient avec lui. Après, bon, quand on a appris son départ, et puis on avait bon, quelques matchs auparavant, tous les supporters qui scandaient le nom de Louis. L'enfant du parc. Voilà, donc bon, on sentait que ça allait arriver. Et toi, ça s'est pas bien passé et avec lui. Et ça est arrivé, puis en fait, avec lui, non, pas du tout. Ça pas il y a eu l'histoire que j'ai vue là aussi, qui te faisait ramasser tout le matos à l'entraînement. Ouais, il y avait ça, bon, ça, c'est un détail. Tu penses que c'était, en quelque sorte, le mot est peut-être fort, mais un harcèlement pour te pousser à prendre la porte? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Je pense que c'était pour me faire comprendre que j'ai une autre philosophie, j'ai envie de faire venir d'autres joueurs. Notamment pas mal d'Espagnols, Cristobal, Pochettino, tout ça, Inzer. Et que nous, la génération, bah moi, Luxin, Anelka, tout ça, bah, non, on n'était pas, les bienvenus. Mais ils voulaient tourner la page. Donc voilà, donc j'étais le premier à partir et puis voilà. Et tu signes quand même, tu progresses. Ah bah oui, non, bah c'est pour ça que j'ai dit merci à Luis Fernandez là. Tu signes quand même à l'Inter. Oui. Tu signes quand même à l'Inter et ton premier match, c'est face à Bari, où tu remplaces le fameux Di Biagio qui avait tiré sur la transversale contre la France en 98. Alors, qu'est-ce que tu ressens? T'as joué à Boulard,
tu as joué au Vélodrome, au Parc des Princes. Quand tu découvres cette véritable citadelle, quel San Siro, qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives là-dedans? Là, je me dis que là, je passe un palier. Un palier. Quand je rentre dans San Siro, je me dis, mais c'est énorme, c'est ça. Puis, tous ces grands joueurs, je dis, putain, bravo. Et tu côtoies ton idole en quelque sorte, Sidorf. Ouais, clairement, Sidorf, ouais. Alors, est-ce qu'il t'a conseillé, est-ce qu'il t'a aidé pour t'acclimater? Ouais, ça a été l'un qui. Bon, il y avait Laurent Blanc, il y avait. Sébastien Frey, Benoît Coé. Ouais, Sébastien Frey, Coé. Mais en étranger, avec Vieri, c'était les deux qui sont. Et Biagio aussi, qui venaient beaucoup vers moi et puis qui me conseillaient. Pourtant, avec Sidorf, on était en concurrence. Et puis l'entraîneur de l'époque. Tardelli, c'est ça, voilà, c'était Tardelli. Marco Tardelli ne faisait pas confiance à Sidorf. Mais lui, il n'a jamais été contre moi. Non, il a toujours été de bons conseils, de bons. Venir me parler, de m'expliquer certaines choses, tout ça. Et puis après, du respect. Parce qu'il admirait aussi mon jeu. On a sympathisé. Et puis on a fait un an et demi ensemble. Alors, ciao. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu as quand même côtoyé des, on l'a dit, des Sidorf, des Blancs, ouais. Des Ronaldo, ouais. Des Adriano, mmh. Des, je pense encore, il y a Mohamed Kallon aussi qui a joué à Monaco ensuite. Tu as côtoyé des noms. Recoba. Alvaro Recoba et Chino. Tu as côtoyé des joueurs de malade quand même. Ouais. Alors comment tu te sens dans cet effectif? Akan Choukour aussi, il y a eu un moment. Akan, ouais, quand je suis arrivé, ouais, Akan Choukour. Ouais. Quand je rentre là-dedans. Tu as confiance en tes moyens ou tu te dis purée quand même? Non, c'est des noms énormes, ça va trop vite. Ouais, mais non, dès premier entraînement tout de suite. Tu as vu que le niveau ça allait pas? Je suis au niveau. Je pensais pas au départ, mais au début j'ai vu et j'ai dit, mais en fin de compte, des fois c'est les noms qui impressionnent le plus. Mais après quand on est sur le terrain, ça sent moins, je dis, mais non. Rien spécialement envié à la majorité des joueurs qui étaient là. Après, bien sûr, oui, il y avait Ronaldo, il y avait Javier Zanetti, il y en avait d'autres qui étaient vraiment. Comment j'ai pu l'oublier, voilà. C'était du lourd. Mais après, la plupart, Mme Di Biagio, tout ça, c'est oui, c'est un grand joueur, tout ça, mais j'ai joué avec des joueurs qui jouaient dans des plus petits clubs, mais qui étaient 100 fois meilleurs que Di Biagio. Alors j'aimerais que tu me dises deux mots sur Ronaldo. J'imagine que c'est le plus grand joueur que tu aies côtoyé. Ah bah oui. Et aussi ensuite, parce que moi c'est mon idole de tout gamin, Roberto Baggio. J'imagine que tu as évolué contre lui quand il était à Brescia. À Brescia, ouais. Donc ouais. J'aimerais que tu me parles de ces deux phénomènes. Ronaldo, j'ai joué en fin de compte plus vers la fin parce qu'il était blessé avec son genou, tout ça. Donc, mais on le voyait tout le temps, il venait faire sa rééducation, tout ça, et puis voilà. Quand à l'entraînement, c'était impressionnant. Ce qui dégageait, la puissance, techniquement, physiquement, au niveau de l'accélération, au niveau de plein de choses, mais c'était phénoménal. Et c'était après sa blessure. Hein. Et voilà, c'était après sa blessure. Et sincèrement, s'il n'avait pas eu autant de blessures, il aurait gagné au moins 6 ou 7 ballons d'or. Je suis d'accord avec toi. Et il était au-dessus en jouant sur une jambe. Il a gagné la Coupe du Monde 2002 sur une jambe. Il a fini meilleur buteur. Et meilleur buteur. Ah. Et ballon d'or. Mmh. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire après. Alors, comme je t'ai dit, imagine avec un genou. En grande forme. Le mec, honnêtement, c'est encore plus fort que Messi ou que. Cristiano. Ah oui, largement. Et Roberto Baggio. Roberto Baggio, bah, j'ai eu la chance de jouer contre lui quand il était à Brescia. Il était à la fin de cas, mais. Même encore à la fin, on voyait qu'il y avait la classe, on voyait le respect, on voyait. L'aura qu'il avait vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de même des joueurs, tout ça. Il y a des fois, voilà, c'est pas trop le toucher parce que c'est
C'est Monsieur Badio. Le joueur de Serie A qui t'a le plus touché, Del Piero à l'époque. Hein. Ouais. Vérone. Juan Sébastien Vérone. Ouais. El Burrito. Quand il était à. À la Lazio. À la Lazio, ouais. Impressionnant. C'est impressionnant. Une facilité technique au niveau de. Puis même d'une élégance, tout ça, franchement, c'était beau à voir jouer. Alors, ensuite, il y a Hector Cuper, il me semble, qui vient entraîner, qui avait été finaliste avec Valence de la Ligue des Champions. Ouais. Pourquoi je t'ai été prêté ensuite, c'est ça, à Tottenham? J'ai fait 2 ans avec lui, avec Cuper. D'accord, et après Tottenham? Et après, je suis prêté à Tottenham. Alors, comment ça se fait que tu n'es pas conservé par l'Inter? C'est pas que j'étais pas conservé, c'est que moi, je ressentais pas la confiance de Cuper. Tout le club, même le président, voulait absolument que je reste, tout ça, et puis voilà. Mais Cuper a fait venir pas mal de joueurs à mon poste. Et moi, je me suis dit, non, je vais pas passer une année sur le banc de touche. Et puis, je décide de partir en prêt à Tottenham. C'est le plus gros regret de ta carrière, ouais, de ne pas rester un peu plus à l'Inter. Si j'étais resté, j'aurais joué. Alors Tottenham, comment ça se passe? Il me semble que tu viens pour pallier ou le départ ou la blessure de Christian Ziger. Ziger, ouais, qui était pas mal blessé, tout ça. Quand même une belle équipe aussi, il y avait Robbie Keane. Ouais, Robbie Keane, il y avait Gustavo Poyet. Que tu avais affronté contre avec Chelsea, contre l'OM. Non, il y avait une belle équipe, hein, mais bon, beaucoup de clans. Frédéric Canouté aussi, il y avait. Mais beaucoup de clans. Le football anglais, ça t'a plu quand même ou pas? J'ai le regret de ne pas avoir kiffé. J'aurais dû plus kiffer. Pourquoi tu n'as pas kiffé? Parce que j'étais moi encore sur mon. Ton nuage de l'Inter. Sur l'Inter, tout ça. Et puis non, ça n'a pas collé avec les joueurs là-bas, à Tottenham, tout ça. Et puis voilà. Mais avec le recul, je me dis, si j'avais été dans un autre contexte, avec un autre peut-être état d'esprit, tout ça. Je pense que le championnat d'Angleterre, j'aurais kiffé à mort. Alors j'ai lu, je ne sais plus, dans la presse, hein, tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas, que toi-même, tu avais affirmé que tu n'avais pas la soif de vaincre. Je crois que c'était un article de SoFoot. Ouais. Ben, j'avais pas la mentalité d'un gagnant, d'un champion pour devenir un des meilleurs joueurs. Gagner meilleur. Ouais. Moi, je me contentais de. De kiffer, comme tu as dit. Voilà. Mmh. Je joue. Bon, bien sûr, je perds un match, je suis déçu. Mais. J'avais quand même quelquefois des remises en question personnelles. Je devais travailler un peu plus, tout ça. Mais. Je n'avais pas l'exigence de. Qu'il faut pour être un grand champion. Moi, ce que j'avais déjà, c'était déjà énorme. Mais pour passer le palier au-dessus, non, il faut être comme ça, carré, professionnel, tout ça, et puis voilà, chose que je n'ai pas été. Non. Après Tottenham, tu tentes le pari de la Ligue 1, de te relancer en Ligue 1, il me semble. Ouais. Et c'est le Toulouse FC qui t'accueille. Mmh. Toi en tête d'affiche avec Daniel Moreira. Mmh. Je me rappelle, vous avez fait la couverture de France Football aussi à l'époque. Ça se passe bien durant tout l'été. Ouais. Et ensuite, ça devient plus compliqué d'un point de vue collectif, déjà, du moins. Ça se passe bien jusqu'au mois d'octobre. C'est là où je me blesse. Je me fais une fracture du cinquième métatarse, donc 4 mois d'arrêt. Alors qu'on avait commencé la saison, on était bien, on avait fait un super. Au bout de, je crois. Dans les 2-3 premières. 8 ou 9 journées, on était dans les 5 premiers à peu près. Et puis. Puis après, je me blesse mon pied, puis ce qui fait que ma saison, elle est morte, elle est cassée. Alors, Toulouse, tu étais prêté par l'Inter de Bic, tu étais encore prêté. Ouais, prêté. Ouais. Au terme de la saison, est-ce que ton contrat est terminé? Non. Donc tu es encore prêté, et cette fois, au Racing Santander. On va dire que le Racing rachète ma dernière année. D'accord. Et tu retrouves ton frère. Et je fais venir mon frère, ouais. D'accord. Et j'impose mon frère. Tu imposes ton frère, quasi quand même. Ben non, ton frère, on ne connaît pas. Je dis, ben, je viens pas. Si vous prenez mon frère. Il était connu quand même, il avait joué à Nantes, à l'OM. Ouais, mais eux, lui, voilà. Non. Et puis après, bon, ok, allez, c'est bon. Une année moyenne, hein, j'ai trouvé que tu as joué 10-12 matchs. Ouais, non, une année pourrie. Par rapport à quoi, là?
par rapport à. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Genre de gros clubs, tout ça, et puis on trouve Racing Santander. Donc pourquoi y être allé? Ben oui, justement, ça, c'est... même maintenant. Tu pourrais pas l'expliquer. Je pourrais même pas expliquer pourquoi je suis parti là-bas. Il y avait Felipe Melo, il me semble, à cette époque, qui a fait une belle carrière par la suite. Fait, ouais. Et que devient ton frère, justement? Moi, je l'avais quitté, il était à Bourges, il me semble. Là, il est parti en Belgique. Là. Il joue encore? Oui, il joue encore. Ouais. D'accord. Ouais. Il joue encore dans une petite division, tout ça. Sur le plaisir, voilà, tranquille. Il a une belle carrière quand même, le Standard de Liège, Bruges aussi. Il était champion avec le Standard. Il a fait des belles choses. Hein. Il a fait des matchs, quelques matchs avec des champions, tout ça. Donc, il a fait. T'as envie d'avoir marqué le foot quand même. Bah ouais, je pense. Ouais. Alors, avant d'aborder les autres clubs, on va aborder un regret essentiel, l'équipe de France. Ouais, un regret, oui. Un regret, mais bon. Je pense que c'est comme ça. Après, je suis tombé dans les générations où il y avait du lourd quand même à mon poste. Hein. Mais j'aurais quand même mérité au moins une sélection. Après, c'est pas pour moi. Surtout au moment où j'étais à l'Inter, à l'époque, Jacques Santini était venu. Et puis, on a discuté 5 minutes à peu près. Et puis. J'attendais la liste donc la semaine d'après, tout le monde. T'attendais dedans. Jacques Santini vient de voir, tout ça, donc tu te dis, bon, c'est bon, ça y est. Et puis en fin de compte, je regarde pour la première fois, je mets l'équipe TV, je regarde, je vois mon nom, je dis, allez, c'est bon, c'est mort. Donc je recevais les pré-convocations, je les prenais. Bon. T'as connu quand même, ne serait-ce qu'un espoir, une photo que t'as postée récemment. Une sacrée génération, t'as joué quand même avec les Henry, les Trezeguet, les Domi, les Cristanval, les Landreau, les Peter Luxien là aussi. C'était une génération de champions du monde, presque. Ah, c'était une sacrée équipe là aussi. Grosse équipe, très et entraînée par Raymond Domenech. Pourquoi? Alors qu'est-ce que tu as pensé de Raymond Domenech en tant que coach? Tu as eu des bons rapports avec lui et ses méthodes de travail? Au début. Mais des fois, des incompréhensions dans sa façon de communiquer. On se comprenait pas. Et puis, il y a eu un jour où il m'a mis en remplaçant. Et puis, j'avoue, ce jour-là, j'ai fait la gueule. Je me suis dit, je suis remplaçant l'espoir. J'ai joué à l'Inter, tout ça. Et puis après, je demande l'autorisation, après le match, d'aller manger avec mes agents. Bon, tu me dis oui ou non, mais il n'y a pas de souci. Le mec qui me sort, j'ai une autorisation, mais pas la permission. Je me dis qu'est-ce qu'il me raconte? Tu me dis oui ou non? Et puis enfin, quand je suis parti, et puis depuis, il ne m'a plus rappelé. Il ne m'a plus rappelé en espoir. Ouais, j'ai appris qu'il y avait un problème avec un joueur, comme on a vu avec les Pires, les Julien. Donc à partir du moment où j'ai appris après qu'il était sélectionneur des A, je me suis dit, oh, c'est même pas la peine. Hein, voilà. Et il est resté 8 ans, je crois. Donc. Ouais, c'est beau, hein, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est beau, donc non, pas de rapport extraordinaire avec lui. Après Santander, c'est Bordeaux, c'est ça? Bordeaux. Ouais. Le Bordeaux de Ricardo. Ouais. Avec une belle équipe, quand même, avec Vladimir Spicer, les Chamac, Fernando. Parcheville, tout ça. Ouais. Ouais, une belle équipe. Comment ça s'est passé? J'étais là sans être là. Avec un beau but en Ligue des Champions, c'est tout ce que j'ai fait. Ah non, c'est tout ce que j'ai fait. C'est bien, tu es honnête sur ta carrière, quoi. Ah, c'est tout ce que j'ai fait. Il m'a mis ce match-là parce que il était éliminé, puis il y avait pas mal de blessés, et puis voilà. Donc, à partir du moment où tu mets sur le terrain, je joue après. Hein. Et puis, il y a eu ce but. Mais tu n'as pas participé à la finale de la Coupe de la Ligue. Non, Bordeaux a gagné. Je n'étais même pas dans le groupe, rien du tout. Hein. Voilà. Comment tu vis tout ça? Parce que Dijaner, Ricardo ne voulait pas. Il a fait plaisir plus à Michel Denisot, que je connais, qui a un petit peu forcé pour que je vienne. C'est un joueur de plus en truc, mais je savais très bien que lui ne me voulait pas. Comment on vit le fait? Je le dis, je vais utiliser le mot parce que tu l'avais utilisé, je crois d'ailleurs c'est dans ce France Football, d'être utilisé parfois comme du bétail, de passer de club en club,
mets une somme, telle somme d'argent sur toi, tu convaincs pas, ben allez hop, on te laisse pas d'autre chose, on te dégage, tu vas ailleurs. Comment tu vis ça en tant qu'homme? D'après, c'était le marché qui faisait que à chaque fois, moi je partais parce qu'il y avait des opportunités. Après, quand j'ai commencé à faire mes prêts, tout ça, c'était plus de la bêtise de ma part d'avoir été dans ces clubs-là, que je respecte beaucoup. Hein. Bien sûr. Tottenham reste c'est un grand club, tout ça, mais... Ça ne se convenait pas à l'époque. Non, je pense que j'aurais dû avoir quelqu'un qui me dise « ferme-la, t'es à l'Inter, il te reste encore 4 ans de contrat ». T'inquiète pas, tu vas jouer, t'as joué, c'est pas parce qu'ils font venir du monde, en plus des mecs qui sont venus, ils ont pas joué, donc voilà. Donc tu m'offres une répartie toute trouvée. Est-ce que tu considères que durant ta carrière, tu as été mal conseillé? Jusqu'à l'Inter, ouais. Jusqu'à l'Inter, ouais. Est-ce que tu as tout fait pour changer les choses pour la suite? Non. Comment tu l'expliques? Non, parce qu'après j'avais une fidélité avec mes agents qui m'avaient fait obtenir des bons contrats dans des grands clubs à Lens, à Marseille, à Paris, à l'Inter, à Tottenham. Puis ensuite après, voilà, on était aussi plus des amis que des... on est plus des rapports amicaux que agents, agents et joueurs. Donc, je me voyais mal leur dire dégager et puis je prends quelqu'un d'autre. C'est un regret maintenant? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Ensuite, Sochaux. Ouais. C'est le club où tu te stabilises le plus dans ta carrière. Ouais. Alors, c'est un club qui n'a plus le lustre des quelques années passées avec les Richard, les Pedretti, les Fro, les Monsereau, les Chedli, les Isabé. Mmh. Mais c'est un club qui se bat avec ses armes pour le maintien. Mmh. Qui se maintient quasiment chaque année. Chaque année, ouais. Et toi, tu dans ce collectif-là, bon, t'as pris de l'âge, donc de l'expérience, hein, et tu brilles quand même. Ouais, je me suis éclaté. Ouais, je m'éclate tous les matchs, je m'éclatais. Et je m'amusais. Je fais ce que je voulais. Je dis, j'avais pas de pression. Puis j'avais pas de, on va dire, de l'entraîneur me laissait faire ce que je voulais. J'étais au milieu. Voilà, c'était qui le coach à l'époque? C'est Francis Gillot. Francis Gillot. Après, pour la deuxième année, il m'a mis capitaine. Moi, capitaine. C'est bien. Oui, mais bon. Il y a un truc. Bon. J'ai accepté parce que j'ai pas l'âme d'un capitaine, j'ai pas la mentalité d'un capitaine. Mais bon, j'ai pris le brassard avec plaisir et puis j'ai essayé de. Puis, il y avait une bande de jeunes qui était extraordinaire. On avait un groupe à Sochaux, on était potes, malgré les résultats, tout ça, mais on s'éclatait, tout ça. Et puis voilà, donc ça a été 3 années humainement, et puis moi, personnellement, sportivement, où je me suis vraiment éclaté. J'étais comme si j'étais à la maison. Voilà, j'étais bien, j'étais tranquille, et puis voilà. Pourquoi partir à Rennes ensuite alors? Parce que 3 ans, je pense que j'avais atteint. Tu as fait le tour de la maison. Voilà, il fallait. J'avais l'opportunité. J'avais. Bon, je commençais à avoir 31 ans. J'avais l'envie de me. D'aller voir un peu plus haut. On va dire terminer un peu plus haut quand même. Et puis Rennes avait des ambitions à l'époque pour aller jouer la Coupe d'Europe. Et. Il y avait un entraîneur qui me voulait déjà depuis pas mal d'années. Puis, c'était Fred Antonetti. Oui, Fred Antonetti. Ouais. Donc je pense qu'il y avait une envie aussi commune de travailler ensemble. Et puis, voilà, ça s'est passé. Tu connais la Coupe d'Europe aussi avec Rennes? Oui, on fait l'Europa League. Ouais. Contre l'Étoile Rouge à un moment, il me semble. Oui, l'Étoile Rouge, il y avait Udinese et Celtic. Bon, ben le pool. Donc, des bons matchs à jouer. Donc, voilà. Donc, Et à la fin. Je crois que tu dis à Fred Antonetti que psychologiquement ça va plus trop avec les aléas du football et tu préfères t'en aller, c'est ça? Plus l'envie, je me sentais plus à ma place. Puis en plus, je jouais plus. Donc, moi qui avais quand même été habitué à jouer, me retrouver.
retrouver aller à Dijon faire des mises au vert, des vidéos de, en plus il en faisait pas mal de 40 minutes, être dans ta chambre, attendre, et puis être sur un banc de touche, et puis ne pas jouer du tout, et puis rentrer à 2h du mat, et puis aller à l'entraînement le matin pour aller faire que du physique ou tout comme ça. J'ai dit, ah, c'est bon. J'ai été le voir, j'ai dit, bah écoutez, coach, prenez un jeune. Si vous avez besoin de moi, je suis là, parce que je m'entraînais encore, j'étais exigeant avec moi-même, tout ça. Mais par contre, pour les matchs, si c'est pour ne pas me faire rentrer ou un truc comme ça, prenez un jeune. Comme ça, il prend la prime, il prend. Il fera plus que moi, et qui, je vais être sur un banc de touche et puis je vais faire la gueule. Donc il m'a dit, ok, pas de souci. Et le ressort était cassé finalement, parce que ensuite tu vas à Nîmes. Ouais. Et finalement, tu fais zéro match, tu fais une petite préparation estivale. Ouais, je fais 15 jours, ouais, 15 jours, 3 semaines. Et après, fini. Ouais, je fais une bonne préparation en plus. Hein. En plus, j'étais bien. Hein. Avec Victor Zvenka. Donc tu as bouclé là. Donc c'est pour lui que j'étais venu. Hein. Non, j'étais bien, physiquement, j'étais bien. Hein. Tous les tests, tout ça, là, j'étais devant tout le monde, tout ça, et puis voilà. Mais après, non, plus envie. Est-ce qu'on peut dire que. Je vais faire un raccourci grossier. Mais est-ce que la carrière de Stéphane Dalma peut être résumée en deux mots, l'honnêteté et une fragilité psychologique qui t'a empêché de... Et puis peut-être un milieu du football qui est sale aussi, qui est sans pitié. Un milieu qui ne me convenait pas. C'est pour ça que je te dis ça. Voilà, moi le foot c'était plus... quand j'étais petit, avec mes potes, voilà. On fait un match et puis c'est tout. C'est tout. Après moi, je comprenais pas le fait d'aller signer des autographes, de faire des photos. J'ai dit, mais je suis qui moi? Pour voilà. C'est ça que moi c'était juste. C'était pas ça. Le truc du star system ou de trucs comme ça, c'était pas pour moi. T'en as été une victime avec tous ces trucs. Ouais, j'étais victime de tout ça. Alors que je suis pas comme ça. Ah. Ce qui fait que j'étais, on va dire. Je fais pour le foot, mais comme métier, non. Moi, c'est plus le jeu, c'est tout. À jouer, c'est, je m'éclatais. Voilà, je faisais ce que je voulais. Mais après, toutes les règles qu'il y a autour, ou tout comme ça, non. C'est pas pour moi. Alors là, on est dans les environs de Bordeaux. Ouais. Pourquoi t'être installé ici une fois ta carrière terminée? Parce qu'à l'époque, j'avais acheté ma maison. Et puis, à l'époque où tu jouais à Bordeaux? Ouais, acheté ma maison et puis je me suis dit c'est l'endroit idéal à la fin de ma carrière pour m'installer, une belle région, ou bonne qualité de vie, tout ça. Et puis voilà, donc je me suis dit je rentre et je fais des travaux pour me faire une belle maison, tout ça. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et puis, c'est le cas, je confirme. Ouais. Et pour finir presque, tu as eu un accident très très grave, hein, qui a été assez peu médiatisé. Ouais. Et tu aurais pu y laisser la vie. Ah oui, mais j'ai fait deux arrêts cardiaques, j'étais entre la vie et la mort. Un accident de moto, c'est ça? Accident de moto, ouais. J'ai entendu dans l'émission Le Vestiaire que tu avais connu une trentaine d'opérations. Trentaine d'opérations, j'ai été 6 jours dans le coma. J'ai fait presque un an à l'hôpital. J'étais en fauteuil roulant pendant plus de 6 mois à peu près. Donc, j'ai connu ça moi aussi. Un moment compliqué, un moment dur, et puis en plus, un moment où personne n'était au courant. Mon téléphone était éteint et. J'ai rien dit à personne. Il n'y a que mes parents qui sont venus pour m'aider, tout ça. Et puis voilà. Ça t'aurait pas fait du bien quand même de. Je parle pas de médiatiser ça, bien entendu, mais de montrer que le monde du football te montre son soutien quand même, plutôt que de te renfermer sur toi-même, non? Non, parce que moi j'avais coupé avec. À l'époque, avec le monde du foot. Donc, non, j'avais pas envie de pleurer, de m'étaler. Étaler ma vie parce que je suis quelqu'un de très fier.
Et ça aurait été être, je sais pas, à quémander quelque chose. Voilà, j'aurais... Non, je suis comme ça, je demande rien à personne, je me débrouille par moi-même. Et puis voilà, et puis bah, ça s'est bien passé. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai plus de séquelles, j'ai plus rien, j'ai une vie, maintenant je peux reprendre une vie normale. Donc voilà. Avec, c'est de l'histoire. On n'en parle plus, ouais, ça c'est ouais. Avec un retour dans le football à terme ou ouais. Plus du tout. Si. Alors racontez-nous. On verra l'année prochaine. Là j'ai des rendez-vous justement en fin d'année là sur. Ouais. Sur Paris, certaines personnes, donc... Alors, je vais t'embêter pour devenir entraîneur, directeur sportif, manager, entraîneur des... je sais pas. D'accord. On verra ça. Voilà, c'est pas plus. Non, mais c'est en projet. Très bien. Ben Stéphane, en tout cas, je te l'ai dit en arrivant, mais je te le redis, c'est une fierté de t'avoir interviewé. Ben, merci. On a été, avec mes collègues, très bien accueillis. Et je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite et pour cette année 2021 qui va débuter très prochainement. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi. À vous aussi. Merci. Il n'y a pas de souci. À bientôt.